Non mais alors cette question, vous me la posez mais tout le temps, genre sur Instagram, sur Snapchat, sur Musical.ly. Alors là, sur Musical.ly, tous les jours, je la reçois cette question. Est-ce que tu es en couple? I was good on my own, that's the way it was. That's the way it was, you was good on the love of. Donc j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée parce que c'est le week-end, you know. Si par hasard tu t'es perdu sur ma chaîne et que t'es pas encore abonné, mais qu'est-ce que tu fais? Abonne-toi dès maintenant. Et si tu l'es déjà, n'hésite pas à activer la petite cloche, comme ça tu sais quand est-ce que je sors une nouvelle vidéo. Dédicace à Léana, merci d'avoir activé les notifications. Donc si vous voulez apparaître dans la prochaine vidéo, tout ce que vous avez à faire c'est activer la cloche et m'envoyer la preuve sur mon Instagram. Comme d'habitude, n'hésite pas à mettre un pouce bleu à cette vidéo. Et si on peut prendre les 6000 j'aime, je sais que vous pouvez le faire, vous l'avez déjà fait parce que vous êtes les meilleurs. Sans tarder, je vous laisse avec la suite de la vidéo parce... Du coup, si vous me suivez sur Musical.ly, vous savez que je vous ai demandé de me poser vos questions. Et du coup, bah je vais y répondre, parce que je n'ai pas fait de ask pour mes 100 000 abonnés. Mais je vous raconte, il s'est passé quoi aujourd'hui, ce matin, genre. Je me réveille tranquillou, j'écoute ma petite musique et tout. Et du coup, je me dis, bah je vais aller sur Musical.ly pour voir un peu ce qui se passe. Likez vos comptes et tout ça, tout ça. Je vois une petite couronne au-dessus de ma tête. J'ai une petite couronne comme ça, je me dis, whatever, c'est pas pour moi, tu vois. Je regarde ce que je fais. C'est une blague. Il y a la couronne là, ça veut dire que moi je suis certifiée. Alors, c'est où est-ce que j'ai demandé de me poser la question? Le nom de ta meilleure amie. En fait, j'ai pas de meilleure amie parce que je trouve que ça sert à rien, tu vois. Genre, mettre un nom à une personne. Mes amis ils savent que c'est mes amis, j'ai pas besoin de. Oula, tu m'aimes? Ben, bien sûr, ça c'est. Ça se pose pas ce genre de questions. Toi-même, tu sais que voilà, c'est grâce à vous si j'en suis là aujourd'hui. La meuf, c'est grâce à vous. À croire à décrocher la tour Eiffel, je sais pas quoi. Tu es trop belle, t'as quel âge? Déjà, de une, merci parce que moi, la beauté, je la cherche toujours, tu vois. Et j'ai quel âge? J'ai eu 18 ans, oui. Je suis vieille, comme vous pouvez le voir. Quand j'ai 18 ans, j'avais envie de pleurer. Parce qu'en fait, je suis toujours jeune, enfin, je suis pas jeune, mais. Oula, je commence à m'égarer là. En gros, je suis toujours, on va dire, dans ma tête, je rigole tout le temps. Du coup, bah, des fois, on me prend pas au sérieux. Enfin, c'est très rare qu'on me prenne au sérieux. Tu t'appelles comment en vrai? Je m'appelle Tiziri, en vrai, T-H-I-Z-I-R-I. Et ça fait partie de mon pseudo. Tu as compris? Voilà. Quelle est ta marque préférée? Je pense un peu comme tout le monde, genre Nike, Adidas. Après, niveau vêtements, on va pas. Enfin, il y a Zara, Bershka, H&M. Je vais pas aller chez Louis Vuitton, quoi. Tu crois que l'argent il tombe du ciel? Et sinon, j'aime beaucoup. Enfin, niveau designer, j'aime trop Off-White. Mais genre, je sais que c'est pas affordable. Ouais. Je sais que genre, c'est trop cher, tu vois. Genre, je vais pas acheter ce genre de truc. Ok, donc là, j'ai une question, genre, hyper longue. Je vais juste prendre le début. Enfin, c'est plus intéressant et que je pense que vous voulez savoir. Donc, est-ce que t'as redoublé? T'es de quelle origine? Je suis algérienne, comme vous pouvez le savoir. Oula, 9 minutes. Comme vous pouvez le savoir, je suis algérienne, je force tous les jours avec, c'est bon. Et est-ce que t'as redoublé? En fait, j'ai pas redoublé. Comme vous le savez, je suis pas née en France. Et quand tu viens d'un autre pays en France, la plupart du temps, on t'enlève une classe. En gros, au lieu que je sois en terminale, je suis en première, tu vois. Donc là, je suis en terminale, normalement, j'ai déjà eu mon bac. C'était quoi ta réaction à tes 100 000 abonnés? En fait, tu vois, genre, en fait, j'étais tellement heureuse. Tu vois, mais genre, à l'intérieur de soi, tu vois, quand t'es heureux, je me sentais super bien. Genre, j'étais là en mode... Mon dieu, genre pour certaines personnes c'est un chiffre, pour moi c'est pas genre juste un chiffre, je sais que tout le monde le dit, mais genre c'est pas un chiffre, c'est se dire en fait le plus... en fait on s'en rend pas compte parce qu'on se dit pas genre il y a putain de 100 000 personnes qui se sont abonnées, qui ont cliqué sur ce bouton, qui ont vu ma gueule, qui m'ont supporté pendant au moins 2 minutes de leur vie, genre... Même si vous avez mis sur le pouce, j'aime pas là, c'est pas grave, vous avez regardé ma vidéo, tu vois. Tu pourras faire un vlog, donc franchement les vlogs ça vous a beaucoup plu et je vais pas vous mentir en fait. Les youtubeurs que je préfère le plus, que je regarde le plus, comme vous pouvez le savoir, ma team Snap, Logan Paul, et voilà, donc Logan Paul c'est mon youtubeur préféré. Donc il fait des vlogs et genre je kiffe, genre j'aimerais trop un jour ramener ce côté de moi, genre dans les vlogs. De toute façon si je fais une chaîne de vlogs, je vous le dirai, comme ça vous savez. Est-ce que t'as les cheveux lisses en vrai ou pas? Mais les gars, faut que je vous raconte, mes cheveux c'est toute une histoire. En gros, j'avais les cheveux bouclés, tu vois. Je vais au bled, tranquille. Ma tante, elle me fait le lycée brésilien. Je me dis, tranquille, j'aurai toujours mes petites boucles, tranquillou. C'est là, je vois mes cheveux. Ça fait des traits, ça fait des petites boucles, ça fait des traits. Mes cheveux, ils sont morts. Du coup, là, je vais les couper. Je vais prendre soin de mes cheveux, tu vois. Et voilà, donc j'ai les cheveux... Oula! J'ai les cheveux bouclés en vrai. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à tes questions. C'est pas dur, les cours et YouTube en même temps. C'est genre... super super dur. Faut savoir que cette année en fait je fais que taffer. Genre en gros je fais jamais de pause, tu vois, genre je rentre des cours, je fais mes devoirs, je taffe, je m'avance sur les devoirs. Comme ça bah j'ai pas de retard de une. Et aussi pour que je puisse avoir le temps de faire des vidéos. Donc en fait les vidéos je les tourne souvent le mercredi après-midi, parce que je quitte à 15h, du coup j'ai le temps de faire ma vidéo,
et faire mes devoirs juste après. Et je la monte vendredi, donc je sais pas si tu vois, ton youtubeur crush. Y'a ma mère qui regarde mes vidéos, vous cherchez les problèmes là, vous voulez que je me fasse niquer. Non mais sérieusement, j'ai pas trop de youtubeur crush parce que pour moi genre je peux pas aimer quelqu'un à travers une vidéo, faut que la personne ça soit le feeling, tu vois, genre faut que tu lui parles et tout, tu vois, donc beaucoup trop de tu vois dans cette phrase. Non mais alors cette question, vous me la posez mais tout le temps, genre sur Instagram, sur Snapchat, sur Musical.ly, alors là sur Musical.ly, tous les jours je la reçois cette question. Est-ce que tu es en couple? Non, vous le savez, non, je suis pas en couple, je fais une vidéo sur les célibataires. Être célibataire c'est la vie, wesh, meuf, tu te préoccupes de rien du tout, t'es tranquille. Moi franchement, I'm good right now, ok? Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, vous pouvez l'aimer, la commenter, me suivre sur mes réseaux sociaux qui s'afficheront juste ici, ça me ferait super plaisir. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye! Who was boy? Let me love boy. What you know?